Camarades de l'Afrique, je vous apporte les meilleures nouvelles de tous les temps. Frère, le Niger, le Mali, le Burkina Faso viennent de signer les accords qui font de ces trois pays-là un même pays. Frère, non, je crois. Pendant ce temps, l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est allé au Niger et est allé affirmer aux Nigériens non seulement l'Algérie veut le règlement pacifique de cette affaire, mais l'Algérie n'acceptera pas que quelqu'un vienne intervenir ici. Et puis, il a profité pour casser tous les papots des tentatives de la France pour venir agresser le Niger. Ah, gars, frère, on écoute d'abord cette déclaration. Après, l'Algérie va sur avec. On écoute chaque camarade d'Afrique. Sur les hautes instructions des chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Mali, leurs excellences Madame Ragnek Niwande Olivia Rouamba et Monsieur Abdoulaye Diop, respectivement ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur et ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali ont effectué une visite de travail à Niamey le 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés de M. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale du Burkina Faso. Les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme par Son Excellence M. Bakaria Oussangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, et dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les trois pays. Trop Cette visite à Niamey s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange et de consultation en vue de renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération agissante qui unissent les trois pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les délégations des trois pays ont eu une séance de travail autour de Son Excellence M. Lamine Zen Ali Mahamane, Premier ministre, accompagné de Général de Brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de l'Administration du Territoire, Son Excellence M. Bakaria Oussangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, M. Boubacar Moumouni Saïdou, ministre délégué chargé des finances. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis qui se posent aux trois pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional, régional et international. Les ministres burkinabés et maliens ont tenu à réitérer la solidarité et le soutien de leur pays au Niger face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la CEDEAO et l'UEMOA en violation des textes des dites institutions. Ils ont en outre réitéré leur rejet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considéré comme une déclaration de guerre. Au cours de leurs échanges, les trois ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions
et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les trois pays et ont convenu d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions tripartites de coopération. Elles se sont en outre engagées à coordonner leurs actions dans le sens d'une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs à travers des partenariats ouverts et respectueux de l'égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre États. Sur le plan sécuritaire, les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes et de l'extrémisme violent au Sahel, en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans les trois pays frontaliers. Ils ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs moyens pour combattre ces fléaux qui sévissent depuis plusieurs années dans la sous-région et compromettent la mise en œuvre effective des programmes de développement. Saluant les différentes initiatives en cours pour combattre ces fléaux et l'appui opérationnel apporté par divers partenaires dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération, d'échange, de renseignements et d'opérations conjointes en vue d'être plus efficaces face à l'action des groupes terroristes. Les trois pays ont convenu de s'accorder des facilités d'assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d'agression ou d'attaque terroriste. Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation qui leur permet de coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et défis multiples auxquels ils sont exposés. Ce cadre de concertation reste ouvert aux pays qui souhaitent participer à cette dynamique afin de répondre aux préoccupations et besoins de leur population en matière de paix, sécurité et développement économique et monétaire. À cet effet, ils ont convenu de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, de deux ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Lamine Zène Ali Mohamed, a exprimé ses sincères remerciements aux deux délégations pour leur visite à Niamey. Il leur a demandé de traduire la gratitude et la reconnaissance du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement et du peuple nigérien, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso et du Mali pour leur soutien au peuple nigérien en ce moment décisif de son histoire. Les deux délégations ont adressé leurs remerciements à Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, pour l'accueil et toutes les commodités mises en œuvre pendant leur séjour. Elles lui ont transmis les salutations fraternelles de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, et du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Les deux ministres ont invité Son Excellence M. Bakariya Oussangaré à se rendre en visite officielle au Burkina Faso et au Mali. Ces invitations ont été acceptées avec gratitude et les dates seront fixées par voie diplomatique. Pour le Burkina Faso, Son Excellence Madame Ragneg Newende Olivia Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Pour le Mali, Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour le Niger, Son Excellence Monsieur Bakariya Oussangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Fête à Niamey le 24 août 2023.
Lounès Magraman a relevé que l'audience qui lui a été accordée aux côtés du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée Salifou Modi, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur Bakary Yao Sangaré et celui de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux Aliou Daouda, par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a été l'occasion d'échanger sur la situation actuelle du pays. Elle lui a permis aussi de réitérer l'engagement et le soutien de l'Algérie au Niger, notamment son président Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la transition. Entre l'Algérie et le Niger, il y a des relations de voisinage très fortes, il y a des relations historiques, des relations d'amitié. Donc nous sommes venus ici pour écouter, pour essayer de comprendre et dire quelle est notre position à propos de cette situation qui prévaut ici au Niger. Nous sommes de ceux qui privilégient un petit peu la négociation, l'approche politique, l'esprit d'apaisement pour qu'il y ait vraiment une entente autour d'une sortie de crise sans recourir à la violence. Nous regrettons qu'il y ait ce genre d'appel à une intervention militaire étrangère. Nous sommes de ceux qui sont contre, qui s'opposent à toute intervention au Niger, parce qu'une intervention au Niger aura des conséquences naturellement désastreuses, non seulement sur le Niger, mais aussi sur tous les pays de la région. Donc nous sommes en train de travailler et de déployer des efforts pour qu'une approche politique négociée soit privilégiée et on espère qu'au bout de ce processus, le Niger retrouvera sa stabilité d'antan. Ces réactions de soutien de part et d'autre peuvent être des motifs de réconfort pour le CNSP et le peuple nigérien face aux multiples sanctions de plusieurs institutions internationales. Ben, bon, dédu quoi. Bon, de vous à moi, ça là, dédu quoi. Mais, ça les gars, tout est dit. C'est ça là que j'attendais. La dernière fois, sur For You Media, on m'a posé question, mais je connais qu'est-ce que. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères du Niger doit faire les démarches pour que le Niger soit dans le même, on va dire, dans le même palier diplomatique que qu'on ouvre une plateforme pour que les trois, et même avec la Guinée-Conakry, ça s'aille et puis. Il commence à jeter les bases d'une nouvelle CDAO. D'une nouvelle CDAO. Mais c'est ça qui est en train de se concrétiser. Mais mieux, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Ils ont signé des accords d'assistance mutuelle. Ils ont signé ça. Accord d'assistance mutuelle. Il y a une copie qui sera envoyée aux Nations Unies. Le Burkina Faso a signé. Le Mali a signé, Assimi Goïta a signé, Ibrahim Traoré a signé, président Tchadé a signé. Assistance mutuelle. Dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre toute personne qui va venir les agresser. Tu agresses le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali, te déclare la guerre. Tu agresses le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée-Conakry, le Mali et puis le Niger. Tu déclares la guerre. Tu attaques le Mali, ainsi de suite. Comme on appelle l'Afrique. À côté de ça, il y a eu des accords. Il y a eu des accords commerciaux. Il y a eu des accords économiques entre les trois pays. Il n'y aura plus de frontières entre eux. Tu rentres au Burkina Faso comme tu veux. Tu es au Mali, tu rentres comme tu veux. Tu es au Mali, tu rentres au Niger comme tu veux. Le Niger frappe au Mali. Le Niger frappe le terroriste au Mali. Le Mali frappe le terroriste au Niger. Le Niger frappe le terroriste au Burkina Faso. Après, il est venu avec cette vidéo. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait au terroriste aujourd'hui. Tu ne peux pas croire. J'arrive avec cette vidéo. Soyez branchés. J'arrive avec cette vidéo tout à l'heure. Je ne comprends plus l'Afrique. Mais c'est les meilleures nouvelles. Pendant ce temps, Abdelmadjid Tebboune a envoyé son gars au Niger. Il a fait le Niger, il va aller au Nigeria, après il va aller au Ghana, après il va... Maintenant, il y a une information, on dit Dran Ouattara a déjà levé son armée. Dran Ouattara a déjà levé son armée, il les a mis dans un village, dans un lieu tenu secret.
probablement au nord de la Côte d'Ivoire. Je répète, Dran Ouattara a déjà levé son armée. Dran Ouattara a déjà levé son armée qui va donner au contingent de la CDAO pour aller. Mais aujourd'hui, jusque-là, ils attendent les moyens. Mais Dran Ouattara lui-même n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Il a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il veut chier là, quand il veut. C'est un peureux, c'est un vieux lâche. Quand il veut chier, il fuit, il vient en France. Il veut se cacher ici. Mais t'inquiète pas. Guerre là, faut déclencher. Faut déclencher guerre là seulement. Non, tu regardes. Tu n'as pas à croire. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Déclencher. Déclencher chez vous. Camarade d'Afrique, voici les meilleures nouvelles que j'avais à vous apporter dans cette vidéo. Je reviens encore avec d'autres vidéos chez Camarade d'Afrique. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Vive le président panafricain. Bagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est parti.